aujourd'hui un test. On fait aujourd'hui un playing tube. Oui, un playing tube de Bomberman. Super Bomberman. Super Bomberman. Sur Super Nintendo. Quelle originalité dans le titre. Voilà, donc on va commencer avec le mode solo. Donc c'est un jeu développé par Hudson Soft et édité par lui-même. C'est un jeu donc d'action stratégie. Oui, vite fait. C'est un jeu, Bomberman. Voilà, ouais, c'est mythique. C'est vrai, non mais le concept est mythique. Voilà. Si vous ne connaissez pas ce jeu, allez vous prendre. Voilà, moi je ne connaissais pas. Mais Donc je vais parler donc. Présente quand même le jeu pour les trois nouveaux du fond. C'était à l'apparition de la Super Nintendo. Ouais, en 93 donc. Voilà, donc en 93 évidemment. Et c'est sorti en. C'est sorti en 63 au Japon. En 63, hein. Non, je déconne. Non, c'est sorti en 93, par contre, en fait. Aux États-Unis, au Japon, mais en France. Ouais. Bon, après, ça dépend quel mois. Donc, ça a fait le tour des consoles dans. Oui, à l'époque, c'était adapté sur pas mal de consoles. Ouais. Années 94. Et c'est vrai que. Voilà, et donc que. Le concept, c'est tout simple en fait. Vous dirigez un personnage, vous êtes dans un labyrinthe, on va dire, avec des blocs, certains destructibles, d'autres non. Regardez, là j'en ai explosé avec une bombe. Et vous devez donc exploser tous les blocs et tous les ennemis avec des bombes. Rien de plus simple. Voilà. Pour arriver jusqu'à la sortie qu'il faut trouver. En les explosant. Voilà, en faisant exploser les bombes. Et la bande son, donc. Donc vous avez vu le concept, le pitch du jeu. Et il faut préciser qu'on peut acquérir des bonus. C'est-à-dire cachés dans les blocs que l'on fait exploser. Je viens de trouver la sortie, vous avez vu. Sauf que je peux pas y aller, je dois d'abord tuer tous les autres. Ah merde, ça c'est pas très intelligent. Voilà, regardez là, la glace là, hop. Voilà, ça me fait un bonus. Là pareil, le patin que je viens de prendre, ça me fait un bonus. Ça me fait que je me permet d'avancer plus vite. Et hop, voilà, je suis mort. Mais sinon, j'aurais pu poser plusieurs bombes. Déjà, je peux en poser 3. En fait, au fur et à mesure, vous upgradez votre personnage. Ah ouais? C'est une sorte d'upgrade en fait. Personnage. Expérience. Voilà, oui, c'est ça, mais c'est pas vraiment des points, mais... Voilà, et bon, vous avez plusieurs vies, vous pouvez en gagner, pareil, en bonus, mais si vous les perdez, après vous perdez tout, hein. Vous recommencez avec une bombe pourrie, voilà. Alors c'est un jeu qui a fait fureur au Japon notamment, mais même partout dans le monde aussi. C'est vraiment un concept simple, mais il faut y penser, quoi. Hop, regardez, hop, je vais le bloquer lui. Tac. Tac. Voilà. Il est mort. Plus voilà. Qu'à bloquer cet ennemi là. Voilà. Bon, ça va être plus difficile. Parce que ceux-là, il faut les toucher deux fois. Alors, les ennemis peuvent être de proportions différentes. Certains sont gros, d'autres sont moins. Voilà, il est mort. Et là, je peux donc rejoindre la sortie. Au niveau du gameplay, c'est très simple. Il n'y a pas de. C'est les mêmes boutons. C'est les mêmes boutons pour poser les bombes. Il y a une touche multidirectionnelle pour. Diriger. Voilà, la manette derrière tout là. Voilà, exactement. Voilà. Et voilà, donc c'est un concept. Voilà, aussi, le gameplay est aussi simple que le concept. C'est vrai, hein, non, c'est ça qui a fait son succès. Il est très accessible pour des joueurs novices, des casse-bourg, on va dire. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et donc, au niveau. Donc c'est très simple à jouer. Au niveau graphisme, bon. C'est. Comment dire? Bah c'est pas son point fort. C'est pas le point fort du jeu, mais c'est pas non plus ce qu'il faut, c'est pas un FPS ou un truc comme ça. Voilà, donc en fait il y en a pas besoin quoi de super graphisme. Il y a pas besoin de super graphisme, ça enlève pas le plaisir de jeu. Bon, c'est vrai que les animations auraient pu être un peu plus soignées. Oui, après voilà.
Certains... Bon, le design des caractères est assez péchu. Des caractères. Des personnages. Characters. Oui, bon, ouais, ça va. Et voilà. Mais les personnages sont charismatiques. Enfin, c'est japonais. Celui-là, voilà, c'est japonais. Pour ceux qui aiment ça, après il y en a qui peuvent ne pas aimer, mais c'est pas ça qui va vous faire détester le jeu, je vous rassure. Voilà, moi je trouve qu'il est nul de game, mais après ça, voilà. Ah, mais après ça ne m'engage que toi, hein. Il y en a qui nous regardent. Bon, bref. Je ne suis pas homophobe, voilà. Nous ne sommes pas homophobes. Et la bande son. La bande son est vraiment. Bon, mais vous pouvez écouter les bruitages, la musique. Moi j'aime bien, moi. Moi j'aime bien. Donc franchement, la bande son, j'aime bien. Oui, ça va, c'est pas. Bon, ça peut. C'est une bonne musique qui correspond bien en fait, on va dire, au genre. Voilà. C'est assez. Surtout en multi, c'est. On y viendra après, en mode multi. C'est assez. Comment dire. C'est assez rapide. Ça correspond bien au niveau, au genre. Enfin, au jeu, quoi. Bon, ça peut être lassant à la longue. C'est vrai. Mais voilà. Donc voilà, alors rapidement avant de vous montrer le point fort du jeu qui est le multi quand même, on vous expliquera tout ça dans la seconde partie, on va vous montrer qu'on peut jouer en coopération en mode solo. Je passe la manette à Quentin, voilà, et regardez, si j'appuie sur Start, voilà, ce bon joueur apparaît. Et moi, comme ben moi, bon, moi j'essaie de jouer, donc voilà, alors, donc après je sais pas, je m'en vais plus. Voilà, voilà, ce bon joueur apparaît. Merde. C'est super pratique. Donc, donc il joue là, hein. On dirait pas mais il joue. Oui, je joue. Non, il ne joue pas sur un clavier, mais presque. Donc, mais c'est des... donc oui, j'ai un peu de mal, mais c'est pas grave. Et donc voilà, ce qui peut être sympa, notamment quand on est bloqué. On a du mal à finir un niveau. Franchement. Ah mais là, c'est vraiment... Donc ouais, donc c'est très, c'est super, enfin j'aime bien en coop. Donc bon, après c'est sûr, c'est pas le même truc que le multijoueur. Non, pas le multijoueur, mais c'est pas mal, ça peut vous aider. Pour finir l'aventure à deux, qui d'ailleurs, parlons-en au niveau de durée de vie. C'est assez court, la durée de vie est vraiment courte. Ah voilà, la durée de vie. Enfin, en solo. En solo, c'est, allez, compter 3 heures pour finir le mode solo. Avec un système de mot de passe, voilà. Non, c'est vrai, il n'y a pas de sauvegarde, ça aussi, c'est dommage. Ouais, parce que nous sommes sur un Super Nintendo. Non, mais il y avait des sauvegardes sur certains jeux Super Nintendo. Mais c'était pas la génération où on voilà, avait des sauvegardes. Voilà, c'était pas là, moi. Il y avait des développeurs qui allaient faire. Et c'était peut-être des fuyards. Voilà. Mais alors, comme je disais, c'est court en solo. Mais alors, un multi. Si vous avez des amis, c'est extraordinaire. Allez, on se donne rendez-vous tout de suite pour la seconde partie en multi. Ouais. Allez. Oh merde, chaud.